dès la finale de la Coupe de France. Je pense par exemple à Raymond Coppa qui a été René Girard, Jean Tigana, peut-être le plus en forme des Bordelais à l'heure actuelle. La balle ne sort pas, Monsieur Quignoux ne siffle pas et Zanon se fait prendre le ballon. Premier ballon ratissé par Tigana. Deuxième ballon ratissé par Tigana. Ah, belle talonnade, frappe de Reinders. Batiston pour Roche, Jean Tigana. Tigana qui est attaqué. Oh, c'est bien fait ça. Contré Tigana par René Girard. Jean Tigana. Trop profond de sa balle et dégagé. Giresse. Longtemps blessé ces dernières semaines. Tigana à Tussaud. Ah oui, oui, Tussaud qui s'était engagé dans la défense centrale. Mais dégagement. Il est obligé de le pousser en touche. À nouveau Tigana. Tigana, oui, 20 mètres du but. Patrick Batiston. Tigana. Ah, ça c'est pas mal fait, mais il a le pied en l'air. Ouais. Bad contré par Tigana qui ratisse un nombre impressionnant de ballons. Ouh, choc de tir. Oui. Et... obstruction inutile d'ailleurs car Jean Tigana avait perdu ce ballon. Et non, mais il a dû se faire mal à Jean Tigana parce que il lui est rentré dans la poitrine de toutes ses forces, que d'homme à homme comme cela. Et il a certainement le souffle. Tigana, le souffle coupé. Le docteur Bouges, le docteur des Girondins, est venu voir ça de près. On trouve celle de Bonnevay, excellent de la tête toujours. C'est peut-être l'origine de la première action dangereuse. La tête, on va chercher la tête de Reinders ou celle de René Girard. Allez, belle sortie de Touvenel, Tigana. Brille, pied droit, coup de tête de Guernotreur, encore un coup. Ballon récupéré par Martinez qui rentre dans les 16 mètres. Ouh, bien joué Tussaud. Un dribble pivotant là qui a, dans lequel Tussaud a bien protégé son ballon. Attention à la relance de Gentil dans ce filet. Galtier, Anigo. Attention, il faut passer. Touvenel, Tigana. Bad. Martinez. Ah, bien joué, petite faute. C'est le prouve. Il est bien tiré. Bad. Faute de notre or, écarte le danger. Récupéré par Brill ce ballon. Anigo, exact. Tigana, ah bien joué, Giresse à la limite de l'aider 16 mètres là. Le contrôle du ballon. Tussaud. Ah, il a laissé filer, il s'est mis un peu excentré, mais encore Tigana en soutien. Tigana devant Anigo. Reinders, ah oui, faute. Oui, penalty. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est exact. Sur Bernard Lacombe. Oui. Je crois que c'est Bad qui a... de Reinders, Tigana. Remise de la tête, on va voir que Lacombe anticipe, il a échappé un petit peu de là, il a accroché. Oui. Du reste les Marseillais n'ont pas protesté. Parce que c'était la section amateur. Oui, avant de partir en Égypte. Oui, oui, oui. Il a fait quelques matchs amicaux. Giresse a intercepté ce ballon. Girard, Tigana a contré. Non, Tigana qui s'en sort bien. Tiston. Tigana. Ah, moi j'aime bien ce joueur-là, Tigana. Ça, je ne m'en cache pas. Reinders, Tigana à nouveau. Le président Bèze aussi, il l'a quand même fait signer 5 ans. Oui, oui. Oui. Celui-là, il vaut mieux l'avoir avec que contre, croyez-moi. C'est ce qu'a dû se dire Claude Bèze, qui est malin. Le ballon. Du gauche, tête de Tigana. Audrin. Ah, il est malheureux avec ses déviations de la tête en ce moment parce qu'il n'a jamais personne. Non, là il n'y a pas faute. Ouh, là il y a faute en revanche. Hein. Allez, carton jaune. Allez hop. Si, si. Eh oui. Ah,
Capitaine de l'Olympique de Marseille. Oh, heureusement qu'il a senti le coup venir, oui, oui. Tigana, il a... Ça, c'est le métier aussi. Ah oui, il a levé les gambettes là, parce qu'autrement, il était la moissonneuse là. Oui, Zanon qui a poussé un peu loin son ballon, récupéré par Girard, puis par Reinders, puis par Tigana. Allez, un bon ballon de contre. Tigana, Bernard Lacombe de la tête, il a cherché. Ah, merci monsieur, moi je suis là. Ouais. Tigana en contre. Passé par là. Eh oui, Tigana en contre. Parti de sa moitié de terrain. Du côté gauche, tête. Tigana avec Tussaud. Il y avec Bordeaux, mais cela prouve l'universalité d'une finale de Coupe de France. Action de Rohr qui a failli réussir. Une épreuve que Bordeaux n'a pratiquement jamais gagnée, puisque la seule victoire des Bordelais remonte aux années sombres de la guerre. Coup de tête de Reinders, Girard. Oh, re-pénalty. Re-pénalty, monsieur. Ah oui, oui, oui. Ah, il n'a pas vu. Ah si, il y a re-pénalty. Eh oui, mais il n'a pas vu. Oui, et oui, il va prendre un carton. Non, non. Oui. Jean Tigana. Lacombe. Touvenel, Tigana. Diallo, Tigana. Bien fait, là, de Tigana. Girès. Touvenel, Tigana. Un petit peu mou, dommage. Zanon contré, mais c'est pas fini, mais enfin ça fait quand même 1-0 pour l'OM. Et sur ce qu'on a vu en première mi-temps, disons que c'est un avantage généreux. Il y avait pénalty, mais il y en avait aussi un de l'autre côté qui n'a pas été sifflé, mais enfin bref. C'est parti pour 45 minutes. Bril, Bonnevet. Tigana, Lacombe. Doubler la mise, ce qui n'est pas non plus chose facile. Tigana. Et bon ballon de Bonnevet là, le long de la touche pour Martinez. Poursuivi par Tigana. Voilà. Martinez, aux prises avec Tigana. Récupéré par les Girondins. Tigana. Reinders. Venu. Diallo. Un contre favorable. Diallo avec Martinez. Qui a bien levé la tête pour donner son ballon en retrait. Centre en retrait. Ah, c'est l'arme absolue, il n'y a pas de problème. Girès. Tigana. De se retourner, mais il l'a bien mise en retrait. Ouais. C'est pas fini. Tigana, but. Oh, quel but. Oh, égalisation. Jean Tigana. Et voilà. Le match a peut-être basculé en l'espace de 7 minutes. Ah, quel beau but. Avec une bonne balle de Lacombe. En retrait. On va revoir toute cette action. Au départ, ce n'était qu'une simple touche. À l'arrivée, oui, mais ça, c'est vraiment l'arrivée, c'est le tir de Tigana. On la revoit donc ici avec un tir contré. Et là, comme elle vient, un pied gauche, plein coup de pied. Tigana était absolument magnifique. Tigana, dont je vous disais mon émerveillement suivante. À la 8e minute de la deuxième période, 53. Jeu. Tigana. Peut-être une petite faute, mais ouais, Tigana obligés, était ils sont, quand même passé. Ils sont obligés de le ceinturer, et même en le ceinturant, il n'arrive pas à l'arrêter. C'était un petit plaquage. C'est bien, hein, ça avait fini fort en première mi-temps. Et encore un ballon ratissé par Tigana. Je pense que dans les statistiques. Pied là de Dimeco dans les tibias, ouais, de Roche. Girard,
Contrôle aérien de Tigana. Reposition de hors-jeu des Reinders. Mais là, monsieur Kinyou ne l'a pas vu. Ah, là, cette fois-ci. Dimeco perd le ballon. Oui, il a pris un coup, là. Il a pris un coup, Jean Tigana. Faute d'Anigo. Et Anigo va prendre un carton. Non, voilà. Non, il a mis le... non, la main à la petite poche, là. Ouais. Mais... j'ai bien cru qu'il allait sortir le carton jaune, mais finalement, il ne l'a pas sorti, monsieur Kinyou. C'est Tigana, superstar. Tigana. Oh là. Girard. Tigana encore. Oh, c'était pas mal parti. Ah, là, c'était mais très, même très bien parti. Contré par Bad et contre-attaque menée. Francini, Zanon, encore Tigana, Diallo, au milieu de trois Bordelais, Tussaud, coup de tête Galtier, Martinez aux prises avec Tigana, joue avec Dimeco, beaucoup de pieds en l'air, Zanon, pour Dimeco aux prises avec Tournel, Zanon. Oh, il est bien travaillé, bien le sorti, bien oui. Récupéré par Giresse, Roche à nouveau. Il a la santé. Hein. Tigana, ah non, qui la se heurte à Francini. Dimeco, Zanon, Galtier. Lui aussi perd le ballon. Galtier, Dimeco, Diallo, ah, n'a pas pu contrôler cette balle. Tigana, Giresse, Anigo. René Girard, pièce maîtresse des Girondins de Bordeaux. Bon appel de balle de Tuvenel. Ah oui. Lassagne joue la remise en jeu avec Tigana. Tigana. Tigana a dépossédé du ballon par Galtier là. Girard était là en couverture. Toujours dans le. Hugo qui a quelques petits problèmes avec la relance. Celui qui a la chance de marquer maintenant. Ah ben ça, c'est pratiquement fait. Hein. Encore qu'on a vu des Dominique Rocheteau égaliser. Elle... attention, la relance de Joseph Antoine Bell. Oui. Girard. Dans l'axe et en plein sur la tête de Girard. Tigana. Reinders. Girard. Tuvenel. Face à Zanon. Et on part au coin du poteau, au pied du poteau. Et c'est Jean Tigana qui va tirer ce corner. Un peu court. Bad, mais... oh, tête plongeante de... de Bad. Bad. Reinders pour Tigana. Et ballon sorti. Le terrain qui couvre en 90 minutes. Il y a eu un petit coup de coude là de Jean Tigana sur Zanon, que personne n'a vu, mais moi je l'ai vu. Oui. Parce que Zanon, il énervait Jean Tigana. Talonnade. Marc. Roche. Tigana. Longue balle en avant pour Reinders. C'est la tête d'Anigo. Récupération à la Giresse. Tigana toujours. Patrick. Alors que Reinders est resté allongé dans la surface de réparation. Il y est toujours du reste. À la suite d'un coup de tête. Pas vilain du tout. Qui ont fait reculer Garnotror, qui n'osait plus l'attaquer. Balle en profondeur de Jean Tigana pour son capitaine Alain Giresse. Ah oui. Ce ballon. Alain Roche est monté. Excellent joueur de tête, Ove Reinders est là. Tigana. La tête de Rohr, mais de Zanon. Diallo. Et Bril. Et corner. Et il reste à mon chronomètre 6 minutes, un petit peu plus donc, puisqu'il y a eu l'arrêt de jeu tout à l'heure, consécutif à la blessure de Reinders. Corner de Tussaud, Dimeco, Tuvenel, Rohr. Girard, Tigana au-dessus. Re-corner. Re-corner. Mais là, oui, ils ont raison les Marseillais parce que je crois que c'est Girard qui avait contré le tir de Tigana. Dimeco, Jean Tigana récupère. Sur le côté gauche, Tussaud. Frappe de Tussaud. Ouh.
aux prises avec Zanon. Peut donner à Gentilgana. Oh, il va pouvoir peut-être frapper Gentilgana. Oui, il frappe. Prise de balle. Ah oui, remarquable gardien. Sûreté de 2000 essais quelques plumes. Dimeco aux prises avec René Girard. Encore Tigana. Ouais. Les Bordelais qui montent. Mal. Je crois qu'il serait prudent du côté bordelais de remplacer le libéro de l'équipe parce que. Diallo. Tuchot qui a donné à Tigana. Lassagne, réception là de Lassagne. Girard, puis Gentilgana. Ah, faute. Ah oui, oui, oui. À mon avis, les Bordelais voudraient éviter à tout prix d'arriver à l'épreuve des coups de pied au but. Bah oui, parce que ça, oui. C'est un petit peu. Les précédents. C'est un petit peu dommage. Interception Francini. Ah, ça va pas fort non plus. On va remettre en jeu par une balle à terre. Qui n'est pas un entre-deux. Dimeco. Diallo. Qui passe une fois de plus. Et c'est Gentilgana qui vient sauver encore. Après, encore une fois Alain Roche. Tigana. Là, c'est fait. C'est parti. 15 minutes pour un but. Ou alors Donabad. Donabril. Martinez toujours tire ce corner avec Francini. En deux temps, non, il n'y a pas hors-jeu. Face à Tigana, centre dégagé par Tournel, re-corner, troisième. Tigana. Qui a enlevé ses protège-tibias. Ah ouais. Lui aussi commence à accuser la fatigue. Tournel. Tigana. Il a cherché Touvenel. Giresse. Et Diallo s'en sort. Giresse pour Tigana. On va remettre dans le paquet Tigana. Là, ça va aller directement dans les bras et dans. Tigana. Ouais, un peu loin. Et oui, sort à Laurent qui peut donner à 10. Tigana. Bien écarté. Voilà, il relève. Ça va très bien. Là, il a perdu son soulier. Il a perdu son soulier. New sur ce contre a donné le ballon au Girondin. Gentilgana. Bad. Attention, bon ballon pour Tigana. Oh, il a failli renverser Frédéric Jaillant qui se trouve au sol. Attention, Giresse. But. But de Giresse. Tout en finesse. À la Giresse. À 11-12e minute. 2 heures de match. Je ne sais pas pourquoi les Marseillais vont contester. On le voit ici, il a vu Bell un peu avancer. Et Tigana qui va encore faire le. Reste une minute et demie à mon chrono. Une minute et demie. Attention, contre de Gentilgana. Attention, Tuchot va être hors-jeu. Tigana. Oh, que c'est bien joué. Il la donne à Reinders qui va pouvoir centrer à son tour. Oui. Corner joué avec Giresse et Tigana. Du côté de Lens, on doit respirer parce que ce but de Giresse a propulsé le Racing Club de Lens. Joachim Marx en tête en Coupe d'Europe. Oui, et on voit Joseph Antoine Bell qui n'a pas suffisamment prié. Oh, Bonnevet. Terminé. Et c'est fini. Et le ballon est dans les mains de Galtier. On se souvient du visage transfiguré de joie d'Alain Giresse après le but marqué contre la RFA à Séville. Eh bien, je suis sûr que c'était ce visage qu'il avait lorsqu'à 200 secondes de la fin de la partie. Alain Giresse suivi de celui qui a été le grand homme du match. Gentilgana. Gentilgana. Pour ne pas le nommer.
Ils montent tous à la tribune. Giresse sans tête. Le baiser de M. Chavandelmas à son capitaine et les félicitations de M. Mitterrand qui remet la 69e Coupe de France à Alain Giresse, capitaine des Girondins de Bordeaux. Une très très belle image, tous les Girondins sont sur le pavois, sans oublier leur entraîneur Aimé Jacquet. Remarquable meneur d'hommes, remarquable entraîneur. Tous devant le président et c'est le tour d'honneur des Girondins de Bordeaux. Un tour d'honneur sympathique et mérité après une finale qu'ils ont su arracher, gagner avec leur trip, hein, c'est bien ça Jean-Michel. À ce niveau de la saison, il est certain que ça a basculé sur un coup de dé, une nouvelle incursion de Tigana sur le côté droit. Un petit peu comme...